Remets le son. Coupe le son. Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL. On adore. Et on va sans faire les cœurs. Perdre de temps, les filles, vous préparez vos textes. On va démarrer. C'est l'interview. L'interview sans filtre. Je suis con. L'interview express. On y va, jingle. Yeah. Alors le principe est très simple, Philippe, les trois ravissantes demoiselles devant toi vont te poser des questions très simples, tous azimuts, avec deux propositions de réponse à chaque fois, et tu as une minute chrono pour répondre à un maximum de questions, tu vas voir, tu vas vite te comprendre, on y va les filles, c'est bon? C'est parti. Yes. Attention à la régie, top chrono. Philippe, s'il y avait à choisir, télévision ou théâtre? Télévision. Jean Dormesson ou Johnny Hallyday? Johnny. Guitare ou piano? Guitare. T'es plutôt Cyril Hanouna ou Arthur? Je dirais Cyril Hanouna, mais j'aime bien Arthur aussi. Tex ou Delphine Ernotte? Oh bah là, je veux dire Tex, c'est un pote. Je connais pas Delphine Ernotte. Benjamin Castaldi ou Christophe Beaugrand? Benjamin Castaldi. La ferme célébrité, ce serait à refaire, oui ou non? Non. L'école des fans sur Gulli, ce serait à refaire, oui ou non? Oui. L'émission de Martial sur VL serait à refaire, oui ou non? Oui, bah bien sûr. Cuitasse les bananas ou TF1? Les bananas. Julien Clerc ou Maître Gims? Julien Clerc. Jean-Marie Bigard ou Norman? Jean-Marie Bigard. Philippe, s'il y avait à choisir, star de télé ou star de la chanson? Sauvé par le gong. Sauvé par le gong, si tu veux répondre, Philippe. Alors, moi, je veux une réponse. C'est le cœur qui parle. Star de télé ou star de la chanson? Ben, je dirais, maintenant, je dirais, mais en fait, là, j'ai jamais pensé faire carrière dans la chanson. Ce que je voulais, c'est pouvoir. J'aurais adoré, moi, je dis toujours ça, faire pianiste de bar, mais je joue pas du piano. Non, mais avec Cuitasse, les bananas, on tient le mais, truc. Mais dans l'ambiance, c'est vrai que j'aurais aimé chanter. C'est-à-dire que le métier de présentateur est un métier que j'ai adoré faire. Je ne le fais pas actuellement, je ne le regrette pas. Ce qui m'intéresse maintenant, ce n'est plus vraiment j'aime présenter les autres, mais j'aime me mettre en scène, moi, j'aime, moi, donner quelque chose. Alors, ça peut être comédien. Là, j'ai répondu télé parce que c'est vrai que je me sens plus costaud en télé qu'au théâtre. Le théâtre, c'est quand même très nouveau pour moi, même si je bosse, même si ça se passe bien, même si j'espère avoir un petit don, parce que si on ne l'a pas au départ, on peut travailler ce qu'on veut, on peut faire des claquettes pendant 102 ans. Si on n'est pas doué au départ, on ne sera pas Fred Astaire. Donc voilà. Mais oui, faire des petites scènes de temps en temps avec des gens que j'aime bien, avec des musiciens. Oui, ça m'éclate bien. Je l'ai déjà fait. Et ce sera dans un instant, justement, le live de Cuitasse et Bananas, la famille. On va lancer la pub, la famille. Encore du bruit pour Philippe Risoli, s'il vous plaît. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.